Salut mes petits gourmands! Est-ce que vous aimez les croques, monsieur? Oui? Alors, la recette du croque-cake devrait vous plaire. C'est une version améliorée et encore meilleure du croque-monsieur. Voici à quoi ça ressemble. Et si vous voulez sans plus attendre découvrir comment on le réalise, alors je vous propose de venir avec moi en cuisine. Allez, c'est parti! Alors voilà mes petits gourmands, on va donc commencer par préparer la sauce béchamel. Pour cela, on fait fondre 40 g de beurre dans une casserole. Une fois que le beurre est fondu, on vient rajouter 60 g de maïzena. On mélange bien. Une fois que la farine est bien incorporée dans le beurre, on vient rajouter le lait petit à petit en continuant de remuer tout le long. On fait ça jusqu'à ce que le mélange s'épaississe. Ensuite, on vient rajouter du sel, du poivre et de la noix de muscade râpée. On mélange bien. Puis, hors du feu, on vient rajouter un œuf entier. On mélange encore bien. Et une fois que le mélange est bien homogène, on peut passer au montage du croque-cake. Pour le montage du croque-cake, donc dans un moule beurré, on va mettre du pain de mie, sans croûte de préférence. On vient mettre du jambon. Donc on prend à chaque fois une tranche que l'on vient couper dans la longueur et on dispose comme ceci. Ensuite, on rajoute de l'emmental râpé, de la béchamel, une bonne couche pour bien recouvrir. Puis on revient mettre du pain de mie. Remets bien sûr du jambon. Remets une couche d'emmental. De la sauce béchamel. Remets du pain de mie. Et pour la suite, bien sûr, on remet les trois ingrédients. Puis on met du pain de mie pour fermer le croque-cake. Et enfin, pour terminer avec plus de gourmandise, on vient mettre du fromage râpé pour qu'il soit bien gratiné, notre croque-cake. Et voilà, il ne reste plus qu'à mettre au four pendant 35 minutes à 180 degrés. Voilà, maintenant que mon croque-cake a tiédi, je peux passer à la dégustation. Et donc mon verdict, mes petits gourmands, c'est vraiment super bon. C'est délicieux, vraiment un régal. C'est largement meilleur qu'un croque-monsieur classique. Moi, en tout cas, je suis conquis, j'adore. Je peux plus me passer du croque-cake. C'est un de mes plats préférés, donc voilà. Si vous aussi, chez vous, allez tester la recette du croque-cake, alors n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker, et surtout, si vous découvrez ma chaîne, à vous abonner par ici et rejoindre la communauté des gourmands. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous souhaite un très bon appétit, un excellent week-end. Je vous fais des gros bisous, mes petits gourmands. Je vous kiffe. Ciao !